Vous voici connecté sur la fréquence Endurolist. Bienvenue. Donc ça là, il faut qu'il me dise ton nom quand même, parce que sinon on va pas y arriver. Je m'appelle Arthur Daigneault. Donc ton personnage est quelqu'un d'extrêmement rationnel. Non, j'ai envie de prendre logisticien, dans le sens de celui qui a fait, voilà, qui a eu plein de vécu, de trucs à transporter, ou savoir faire comment les gens, les papiers qu'ils font et tout ça. Clairement, aller se balader sur le toit d'un immeuble, ouais. Yes, parfait. Là où, par rapport à là où elle garait peut-être le coin le plus discret de la voiture, mm-hmm. pour lui pas crever un pneu, mais lui dégonfler un pneu, c'est juste dans le bouchon et appuyer pour vider l'air. Quoi. Et tu vois une grosse madame qui te regarde, fait c'est pas fini de faire le bordel ici. Oh ouais. Vous croyez où là? Allez, et elle te pousse. Parce que là, elle part quoi? Il est 17h quoi? Ouais, 17h30. on va faire jusqu'à 19h qu'on est à Paris quand même. Donc, ce que tu vois sur Google, c'est que c'est à côté de la gare, que c'est que la station de métro la plus proche. Il y a un métro à Lille. Ah, mais tu vois, comme ça, on apprend un truc. Il y a un métro à Lille, ouais. Il faudra couper ça parce qu'il y en a qui vont se dire quoi, c'est Fast Life. Lille, on est une ville, on n'a pas de métro alors que c'est une grande ville. Je fais une photo du chien. Tu fais une photo du chien? Tu vois qu'elle est outrée. Tu vois son visage, elle est outrée. Elle se retourne. Elle tire son chien, elle s'en va.